Marianne, ma petite Marianne d'amour. J'ai quelque chose de pas mal fou à te montrer. Bon. Ah, je sais pas si t'es prête pour ça parce que c'est des grosses émotions. Je sais qu'il est tôt, là. Voyons, qu'est-ce que t'as le matin? Dis-moi ce que tu vois. Un frigidaire? Oui, bonne réponse, mais encore? Une porte de frigidaire. Une poignée de frigidaire. Mais un réfrigérateur. Oh, papa, tu trouves pas qu'il y a de bonheur pour jouer à des quiz plates? Il y a un eau. Rang-outan. Un A. Casse bavarois? Mauvaise réponse. Regarde, papa, quand t'auras envie de me le dire, là, tu me lâcheras un coup de fil, puis on va en jaser, là. Mais moi, là, j'ai faim. Il y a un horaire. Un agenda des tâches pour chaque enfant avec plein de petites cases barbouillées. Et bizarrement, les seules cases qui n'ont pas été barbouillées, les seules tâches qui n'ont pas été exécutées sont celles de... Marianne. Mais je gagne-tu quelque chose? Deux semaines et demie de retard. Dans un jour ou deux, il va falloir piger dans mal à l'échelle pour s'habiller. Des stalagmites vont apparaître sur le plancher. Hey, voyons, si on dirait qu'il y a juste moi qui fais du ménage dans la maison ici. Oh, t'étais proche, mais je reformulerai ma phrase de la façon suivante. On dirait qu'il y a juste moi qui ne fais pas de ménage ici dans la maison. Ça fait que t'as une semaine pour régler ça, compris? Ceci étant dit, bonne journée, Marianne. Qu'est-ce qui se passe? Simon, ferme la porte. Mais là, Marianne, parle plus fort. Mais là, je peux pas crier, c'est un secret. En passant, la musique, c'était pour couvrir la voix. OK, bon. Ce que j'ai à vous dire, là, c'est super important. L'heure est grave. Un matin, j'ai surpris une conversation entre Claude et Victoria. Oui. Notre père puis ta mère, ils envisagent d'envoyer un de vous deux dans un pensionnat. Voyons non, là, ça se peut pas. Ah, je te crois pas. Parole de Marianne. Oui, c'est ça, Marianne. Ta parole, là, ça vaut pas cher, hein? Je savais que vous aimeriez mieux pas me croire, là, je comprends. Mais j'ai même une preuve. Quand je les ai entendus, là, ils feuilletaient le bottin téléphonique puis ont souligné au marqueur jaune le terminus pour avoir l'horaire des autobus. Tu veux dire pensionnaire dans un pensionnat? Je les ai entendus. Puis ils ont dit qu'ils allaient étudier votre comportement pendant la prochaine semaine. Le plus détestable des deux va partir pour le Nord. Le Nord? Eh oui. Ils parlent de vous envoyer au pensionnat Saint-Miséreux de la Grande Souffrance. Pour aller là, c'est facile. Tu suis l'aiguille rouge sur une boussole. Mais là, ça n'a pas d'allure, là, il faut qu'on leur parle. Hein? Ouais. Non, justement pas, là. Surtout pas. Ils ont dit qu'il fallait que ça reste un secret pendant la semaine d'observation. Puis si vous leur en parlez, ben ça se peut qu'ils décident de vous envoyer tous les deux. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Ben, je pourrais vous aider. Je pourrais parler en bien de vous autres. Ben, surtout, je pourrais parler en bien de celui ou celle qui serait le plus serviable.
Tu vas parler en bien de ton frère, là, c'est pas juste. Non, 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 tu te trompes, Céline, là. Je suis capable d'être très objective. Puis même si Simon est mon frère, j'ai pas de préférence, là, pour le moment. Bon, ben, c'est pas tout, hein. J'ai du mot à du lavage à faire. Je vais le faire, moi. Ah, non, 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 Simon, je vais le faire, moi. De toute façon, le lavage, c'est vraiment pas bon là-dedans, là. Ouais, ça, c'est vrai, Simon. Mais là, moi, je veux juste m'améliorer, hein. Si je fais jamais le lavage, là, comment je peux envisager de devenir un champion? Ben, tu peux passer l'aspirateur. Ah, cool. Manolo, tu peux prendre mon tas de Nintendo aujourd'hui. Coudon, es-tu tombé sur la tête? Marianne, si tu veux, je pourrais te brosser les cheveux tout à l'heure. Hein? Ah, c'est gentil, mais je voudrais pas que ça te retarde dans d'autres tâches que t'as à faire. Hein? Ah, ouais, c'est vrai. Au fait, Simon, si ça t'arrange, je pourrais faire ton devoir de maths, hein? Comme ça, ça te libérerait l'esprit pour ton match de hockey. Hein? Faut surtout pas que je la laisse prendre les devants. Ah, merci. Puis tiens, prends donc mon temps d'ordine, là. Comme ça, tu vas pouvoir flâner plus longtemps sur Internet. Ah, mais ce soir, par exemple, je pourrais faire le gardien de but, hein. Comme ça, tu pourrais pratiquer ton super lancer frappé, hein. Non, merci. Ce soir, j'avais comme projet de tondre le gazon. Et le but de Simon l'Espérance. Mais voyons, Simon, la pelouse, c'est ma tâche. Non, non, j'insiste, Mag. J'ai ça dans le goût. Excuse-moi, t'as-tu mis quelque chose dans mon jus de pomme ou j'hallucine, là? Mais quoi, c'est normal de faire sa part dans la famille, non? Ouais, c'est même normal de faire plus que sa part. Manolo, si tu veux ma BD, là, est à côté de mon lit. Gêne-toi pas, mon homme. Putain, essaies-tu de m'acheter, toi? C'est vrai qu'il faut faire quelque chose avant qu'il arrive un accident. Bon, non. Dès lundi, on va faire venir un électricien. Ah, voyons donc, un électricien, Victoria. Hey, c'est juste une question de mauvais contact, là. Je m'en occupe. Papa, qu'est-ce que tu connais à l'électricité? C'est en forgeant qu'on apprend l'électricité. L'idée, c'est qu'il y a des fils qui se touchent, d'autres qui se touchent pas. Il faut juste... régler ça, comme on dit, hein? De toute façon, il ne peut rien t'arriver de grave, papa. Même si tu t'électrocutes, t'es déjà frisé. Bon, 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 bon. Je vais aller changer les fusibles, là. Ah, oh, ouais. Je peux t'aider si tu veux, Claude. Moi aussi, papa, je vais t'aider, là, mais... Je pense que vous avez déjà une journée pas mal chargée. Ça, c'est du ciment. Pour enlever l'odeur de puanteur de ce gilet-là, je pense qu'il faudrait du détersif à neutrons. Qu'est-ce que vous manigancez, Simon, pis toi? Hein? Quoi? De quoi tu parles? Tout est comme d'habitude. J'ai-tu une poignée dans le dos? Non, non, tout est beau. Céline, qu'est-ce qui se passe, là? Il y a quelque chose de pas normal. Bon. Tu me promets de rien dire? Ça, voyons. Tu me connais, je dis jamais rien. Bon. Cette semaine, maman pis Claude vont nous observer, moi pis Simon. Pis le plus détestable des deux va être envoyé dans un pensionnat. Un pensionnat? Ouais. Pis pas n'importe lequel, là, c'est dans le Grand Nord. Pis ça a l'air que là-bas, là, ils sont super sévères. Genre, tu tousses, là, pis t'as une copie à faire. Pis il paraît en plus que la bouffe est super dégueulasse. Ben ouais, mais ça a pas de bon sens, ça. Ouais, mais là, l'affaire, c'est que il faut que cette semaine, je sois plus gentille que Simon. C'est tout. Puis c'est lui qui va être envoyé dans le cercle polaire, là. Ben, j'aimerais bien mieux ça. Ouais. Mais à ta place, moi aussi, je serais gentille. Pourquoi? Ben, à chaque fois que t'es bête avec Simon, ça lui donne du mérite, hein. Ouais, OK, capitch. Ouais. Puis pour le reste, j'ai mon plan. As-tu besoin d'aide? Ben non, Victoria, j'ai la situation bien en main, hein? Hey. D'ailleurs, j'ai de l'aide, hein? Tournevis, tête plate, s'il vous plaît? Tête plate? Merci. Non, ça, c'est étoile.
Regarde, la tête plate que je t'ai demandé. Regarde le boule, on dirait une étoile. Merci. Non, ça, c'est le ciseau à bois, mon grand. Au moins, il y en a un qui va y trouver son compte. Nathan va apprendre toutes les sortes d'outils. Bon. Tabarnak! Ça serait le fun que Nathan apprenne pas tous les gros mots la même journée. Oh, papa! Je viens de perdre tout mon travail d'entrepôt à l'ordine parce que j'avais pas sauvegardé! Là, Magali, tu cours après le trouble si tu sauvegardes pas régulièrement, hein? Ah ouais? Mais je vais au moins essayer de sauvegarder ma santé mentale en partant d'ici. Je vais aller changer les fusibles, là. Hein? Là, là, tu bouges pas, puis surtout, tu touches à rien. Compris? Ben non, je touche à rien. Je suis pas fou. Il y a Simon qui fait demander quand l'électricité va revenir parce qu'il voudrait finir de passer l'aspirateur. Ben là, je vais aller parler à Simon, moi. Hein? C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, ça. Lui et Céline, ils nous préparent quelque chose. Ben, c'est pas nécessaire. Je lui ai demandé. Il m'a juste répondu qu'il voulait être gentil. Ow! Ouch! On rêve pas. Marianne, est-ce que je peux te parler deux secondes? Ouais. Oh, ouf! Oh, c'est mon mal de dos qui me fait encore super souffrir. Oh. Hey, moi aussi, hein. À force de passer l'aspirateur, là, non, mais, tout le temps penché. Ah, non, mais j'ai mal. Me ferais-tu un massage? Hey, ben là, je suis pas ton esclave. Chut! Attention à ce que tu dis, là, si Victoria et Claude nous écoutent. En tout cas, moi, je dis ça juste pour toi. Ouais, ouais, t'as raison. Merci, Marianne. T'es correct, hein? Ouais. En tout cas, c'est mieux ici. Quoi? Ben, par rapport au pensionnat. Tu sais, au moins ici, t'as des temps libres. Il paraît que là-bas, là, t'étudies matin, midi, soir, couvre-feu à 20h, puis dodo jusqu'à 5h le lendemain matin. Ah, 5h du matin? Mm. Marianne Amour, c'est quoi ton affaire d'objectivité, là? De quoi tu parles? Ben, tu sais, quand t'as dit que t'avais pas de préférence entre moi pis Simina, ben, tu sais ce que ça donne d'avoir le même sang qui nous coule dans les veines? Ce que ça donne d'avoir tété au même sein? Je te rappelle qu'on a été allaités au biberon. Ouais. Ben, ce que ça donne d'avoir tété la même tétine, là? Voyons, Simon, là, pourquoi tu t'inquiètes? J'ai une nette préférence pour mon petit frère adoré. Promis. C'est bien normal. Mais j'ai entendu dire que Céline prépare quelque chose de gros. Mais qu'est-ce qu'elle manigance? Oh, je sais pas trop. Aimerais-tu que j'aille au dépanneur pour toi, Marianne? Veux-tu quelque chose? Ah, oh, bonne idée. Ouais, ben, je prendrais une tablette de chocolat. Mais j'ai pas d'argent sur moi. Ben non, Marianne, hein, je te l'offre. T'es trop chou. Je suis surtout trop en train de me faire dépasser par Céline. Hey, il est temps de passer à l'attaque. Céline? Céline? Quoi? Ben, veux-tu que je t'aide? Ah oui, bonne idée. Va donc faire savoir subtilement que je suis hyper gentille. Ah, Céline, t'es vraiment très gentille, hein? Merci de m'avoir tant aidé dans mes travaux scolaires. Céline, est-ce que je pourrais te parler une minute? Ah oui, oui, vas-y, je t'écoute. Peux-tu sortir de là, s'il vous plaît? As-tu vu ma chemise? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ça que j'aimerais savoir, qu'est-ce qui s'est passé, hein? C'est pas Marianne qui devait faire le lavage, mais elle m'a dit que c'est toi qui l'avais fait. Oui. Ben, après avoir lavé ton auto, il me restait quelques minutes de libre. Il y a deux choses qui m'étonnent. Premièrement, comment t'es arrivé à détruire ma chemise comme ça? Puis secondo, comment ça se fait que tu fais les tâches à la place de Marianne? Oh. Ben, c'est bien normal, hein? Elle est tellement fine avec moi. Et pour ta chemise, j'ai sûrement échappé de l'eau de Javel dans ma chaîne. Voilà, c'est pas grave, là, mais pourquoi t'en fais autant?
Ben, c'est uniquement pour être utile dans la maison, là. Faire ma part pour bâtir un monde meilleur. C'est pas comme Simon. Quoi, Simon? Mais là, il m'a fait un coup plate, là. Il a tout mélangé mes produits dans mon labo. Et il a fallu que je les analyse un par un pour être sûr de pas provoquer une explosion puis pour les remettre dans les bons contenants. Ben, wow, ça se passera pas comme ça, hein? Je vais aller parler dans le casse, moi, Simon. Non, c'est correct, c'est réglé. On en a parlé, lui puis moi, puis c'est correct. Ben oui, mais là... Non, je t'en supplie. Vas-y en pas. Tu sais, on est assez vieux pour régler nos affaires tout seul, hein? On dirait pas. Oui, c'est juste des petits ajustements. Mais moi, je veux que la relation s'améliore entre lui puis moi. Bon, mais c'est comme tu veux, si tu veux pas que je m'en mêle, hein? Tiens, je te donne ma chemise. Simon. Claude, penses-tu que l'électricité va revenir avant qu'on se couche? Bon, au moins, sans électricité, les enfants écoutent pas des niaiseries à télé, là. Ben, y a pas juste des niaiseries à télé. Paraît qu'il y a une nouvelle émission sur une famille recomposée, là. Ça a l'air bien bon. Ouais, je vois le genre, toi. J'imagine que dans cette série-là, le père doit encore passer pour un imbécile. Attends! Bon! Ben, moi, je m'en vais coucher chez Max. Mais quoi? Moi, ben, que j'étudie, moi? J'étudierai certainement pas à la lueur d'une lampe de poche. Non. Demain matin, tout va être arrangé. Ça va rentrer dans l'ordre, là. Juré craché. Papa, ce matin, tu nous as dit dans 2 minutes, puis ça fait 10 heures. Si tu nous dis demain, est-ce que ça va être la semaine prochaine? Non. Demain, ça va être réglé, que ce soit grâce à ton père ou avec l'aide d'un professionnel. Le dimanche, toi, t'es en trip. Hey, je tiens à te rappeler qu'on n'est pas encore millionnaire, Victoria Laporte. J'ai hâte de voir ça, moi. Parce que si ça se fait pas, là, je m'en vais en appartement. Ah oui? Avec tes études, comment tu vas payer ton loyer? Mais je vais m'arranger. Puis moi, je vais payer mon compte d'électricité, comme ça je vais pouvoir étudier dans un environnement normal. Ben voyons donc, Magali, t'es bien que trop bien ici. Papa, mets-moi pas au défi, OK? Ah! Ça chauffe pas juste dans le filage électrique. Victoria, par ici, la lumière, s'il vous plaît. L'électricité est pas juste dans le fil, elle est dans l'air aussi, hein? Je trouve pas que nos enfants sont de plus en plus bizarres. Mais là, on est quand même pas pour se plaindre. C'est pas tous les parents qui ont des enfants aussi serviables. Ah, ça, c'est vrai. On a des enfants vraiment étonnants. Ben oui. Ben, je suis pas folle, c'est de la terre. Simon! Oui, je peux faire quelque chose. Dès que j'ai fini d'éplucher le brocoli, là, je suis libre. T'épluches le brocoli? Ben ouais, le souper. Ben là, c'est parce qu'on épluche des patates, des carottes, mais le brocoli, on épluche pas ça. Ah ouais, regarde donc ça. Non? Je suis à peu près certaine. Ah bon? Regardons à terre, plutôt. C'est plus sale qu'avant que tu passes l'aspirateur. Oh non! Mon beau plancher, j'ai passé l'aspirateur, hein, je te jure. Coudon, comment tu passes ça, l'aspirateur? Je comprends rien, là. Ça, c'est du sabotage, signé Célina. Bon, écoute, on n'en fera pas un drame, là. Mais peux-tu m'expliquer pourquoi tu passes l'aspirateur tous les jours? Pour que ça soit propre. Regarde, il y a encore plein de cochonneries à terre. Maman, j'avais mal à l'épaule, puis Célina me frictionnait. Elle m'a vraiment fait du bien. Christina, je sais pas ce qu'on ferait si on l'avait pas, hein. Elle est vraiment super cool. Ben, oui, c'est tant mieux. Tu sais, moi, je fais tout ça, je fais ma part, hein. C'est pas comme Célina. Quoi, Célina? Non, je voudrais pas faire de tort à ma demi-sœur. Voyons, Simon, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, c'est pas si grave que ça. OK. Oups. Attends, Victoria. Je vais te le dire. C'est que... Tu sais, quand Célina m'a aidé pour mon travail en maths, elle m'a aidé tout croche. J'ai eu 2/20. 2/20? Célina? Non, c'est pas possible. Mais c'est ce que je me suis dit aussi. Tellement intelligente, là, tellement brillante, tellement toute. Elle peut juste avoir fait exprès. Elle va en entendre parler. Attends, Victoria. J'aime mieux en tirer une leçon. La prochaine fois, j'aurai juste à m'arranger tout seul pour mes devoirs. Ça, c'est
Très raisonnable, Simon. Oh! Oh, ben là, j'en ai assez, là. Faut régler ça. Oh non, elle va aller voir Sylna. Sylna va lui dire la vérité que j'ai eu 19 sur 20 parce qu'elle a fait exprès pour me laisser une faute pour pas que le prof pose trop de questions. Résultat. Non! 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 Là, il faut que je fasse quelque chose, là. Donnez-moi quelque chose à frotter, à laver. Sylna, je te promets que si c'est toi qui pars, je vais faire tout ce que je peux pour te faire évader de là. Oh, moi aussi, si c'est toi, là, je te le promets, jure et crache, OK? Bon, mais les enfants, ça va faire mal. Victoria et moi, on a une mauvaise nouvelle. On en a discuté, on a tout fait pour éviter cet extrême-là. Mais là, on n'a plus le choix. Ah, c'est pas de gaieté de cœur, hein? Mais dans la vie, il faut faire des choix, hein? Je t'en prie, maman, s'il te plaît, pas ça! Non, je le sais, c'est dur, là, mais... C'est pour ça que... Je passe la parole à Victoria. Hein? Bon. C'est ça. Claude et moi, on a abandonné l'idée de notre grande virée familiale à la mer. Oh non! C'est parce que les petits problèmes électriques qu'on a connus, de toute évidence, vont nécessiter les réparations d'un expert, hein? Comme ça va coûter très cher, écoutez, je pensais parvenir à... Bon. Mais t'as mal pensé. On n'en parle plus. Non. Oh, là. Il me semble qu'ils oublient quelque chose. Et puis le pensionnat. Quel pensionnat? Ben, le pensionnat d'enfer, là, où vous étiez censé nous envoyer, moi ou Simon. Ben, de quoi vous parlez? Il n'y a jamais été question de pensionnat. Marianne L'Espérance! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Chercher de la liqueur, là. Ouais, pis moi, j'ai chaud. J'aimerais ça si tu pouvais me ventiler un petit peu. Ah oui, pis il y a Claude qui dit que son auto est prête, que tu peux la laver. Ça, c'est comme la vaisselle. Elle aussi, elle attend pour être lavée. Plus on attend, plus c'est difficile à décoller dans le fond des chaudrons. C'est donc vrai, ça. Oui, hein. Là, faut que tu frottes avec la laine d'acier, pis la vieille bouffe cuite se mélange à l'eau de vaisselle. Là, c'est turbo dégueu. Ouais. Ouais, pis. Oh, me masserais-tu les pieds, Marianne? Oh, j'ai une crampe entre le troisième et le quatrième orteil. Oh, pauvre toi. Un chausson avec ça? Hey, bonne idée! Moi, Marianne, j'ai fait faire mes devoirs toute l'année. Peut-être qu'il pourrait lui faire laver le plancher avec sa langue.